Ne jouez pas seul, ça veut dire quoi ça? Moi je vais jouer seul, gros. On va partir en Irak, gros. Nouvelle histoire. Clémente, difficile ou mortelle? À vous de choisir. Oh. Une réponse me suffit, mortelle. Ok. Je m'en doutais que c'est un enculé. Boy. Ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Paladin, pardonnez-moi. Le roi retire votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. De la chance. De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Général, nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. On est en Égypte. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté? Les goutis approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Aïe, aïe. Dites-moi, général, vous rappellera-t-elle quelqu'un? Mon roi. N'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Le bâtard. Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans? Quelle tragédie que cette épidémie. Tu es là. Hein? Mon roi, ne serait-il pas sage de laisser vivre la fille? C'est une éclaireuse ennemie. Interrogeons-la sur les goutis. Non. Chaque goutte de sang versée nous rapproche de la délivrance. Elle doit mourir. Ah ouais, c'est propre. Wow, 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 qu'est-ce que je dois faire? La pute! La pute! Oh, oh, bah elle est partie où, frérot? Elle est là! Merci, merci. Elle est mort, on l'a découpé. Oh non. Pourquoi toujours plus?
Ah ouais. Chaud. On va attaquer là, non? Y a du sang, frérot. Dieu, donnez-moi la force. Bah, tout le monde est passé. Il est dead. C'est lui qui a tué la fille tout à l'heure. Oh le bâtard. Vraiment bien fait, hein. Propre. Hein. Ton roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Même la mort de ma fille si jeune ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai suivi ce fou jusque dans le temple. Ne le laissez pas nous entraîner dans sa chute. Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Gardien, attendez. Ah bah cours, frérot. Escalier de l'enfer. Viens m'aider un peu. Merde. Merde. Oh là là, j'ai cassé le truc. Puissant, vous les Acadiens. Mais cette malédiction a fait de vous des enfants. Ah.
Allez, gros. T'en chies, gros. Eh bien. La porte était lourde, gros. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce tombeau. Un tombeau ? Oui. Pour les ouvriers hors d'usage. Viens. Oh merde! Putain de roi! Un Acadien qui a peur d'un rongeur. On aura vraiment tout vu. Tant de morts. Pour rien. Tous morts enfin. Pour un roi fou. Maintenant, utilisé pour examiner. Ok. Même pas peur. Oh, on peut se balader. Bien, bien, j'aime bien. Nous avons créé notre malédiction. Pourquoi votre roi a-t-il pillé le temple? C'est toujours la même raison à travers l'histoire. Pour l'or, pour la gloire. La cupidité. Viens m'aider un peu. Quel est cet ornement que tu portes? L'histoire de Gutium. Vous, les Acadiens, avez œuvré pour la chute de mon peuple. Mais soyez-en sûrs, notre histoire ne fait que commencer. Comment allons-nous sortir d'ici en vie? Toi, sauve ta propre vie. Je m'occupe de la mienne. Faut pas oublier qu'il a voulu t'es quoi, hein. Par ici. La porte se rouvre toute seule, gros. C'est Godzilla, frère. Oh, faut que... Run, 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 run. On n'a plus le temps. Il est là. Attendez, je m'en occupe. Que les dieux nous pardonnent. Vas-y, gros. Il n'y a pas d'issue. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non. Si on fuit tous les deux. On meurt tous les deux. Prépare ta lame. Combattre, arrière, combattre. Combattre. Ouais, je combats. Je combats, hein. On va combattre. Oh le bâtard! À vous. Je savais que c'était un fils de pute. Fils de pute! Incroyable.
Voilà, c'est la fin. Au revoir. Ah, c'était rapide. Attends, combien le jeu? 29€. Impeccable, ça fait même pas 2 heures, je peux rembourser. Je l'ai fini. Impeccable. Rapide, hein. Ah, le bâtard, t'as vu comment il nous a trahis? Ah, le fils de pute. Ah bah ouais, carrément remboursement. Direct. Ah le bâtard. Je me demande qu'est-ce qui serait passé si... Si je l'aurais shooté, tu vois. Que ça aurait continué ou on s'était fait bouffer aussi. L'autre gars sûr. Ah ouais. C'est clair. Ah. Il nous a shooté le mec. Ah putain. Il m'a défoncé, tu vois. Putain. Sur les bords d'un précipice. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le vieux ? Votre survie dépendra des choix que vous ferez. Hein ? Ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu. Trouverez-vous le chemin menant au salut ? Ou errerez-vous à jamais dans le noir ? Je vais être direct. Vous allez devoir faire des choix difficiles. De ces choix dépendront d'autres vies humaines. On a bien vu. Les conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Vous vous demandez certainement qui je suis et où vous êtes. Je suis le conservateur, le gardien des récits, disons. Mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites. Chacun des choix ou des erreurs que vous faites. Bon, moi, tout à l'heure, j'ai fait une erreur, je crois. Ma collection. Vraiment stylé, hein, ce jeu, quand même. Hein. C'est ouf, hein. Inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison, de vie et de mort. Sachez que je ne suis pas là pour vous aider. Bien que il me soit arrivé d'enfreindre les règles de temps à autre. Descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement brave ou extrêmement idiot. Mais peut-être valez-vous mieux qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous prodiguer un conseil. Tout au long de l'histoire, vous pourrez trouver certaines images, des images présageant d'impossibles aboutissements. Je vous suggère de prendre garde à leurs messages. Elles pourraient annoncer un futur à éviter. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos échecs.